Coucou, bienvenue sur la vie Diamond Painting. C'est moi, Dani. Aujourd'hui, c'est la revue de Sweet Dream de Elena Lazareva chez Mary's Diamond. Je vous la montre. Vous voyez comme je trouvais ces confettis un peu bizarres, vous voyez, tout au long. Vous voyez que la pose, là, c'est pas parfait pour les carrés. Il y a beaucoup d'écarts. Ils sont un peu plus petits, je crois que... ça prendrait légèrement plus grand. Fait que là, je vous la montre vraiment de près. Je vous ai dans mes mains. Il y avait des beaux AB. Les AB brillaient super bien. Puis vous voyez là, les petits points qu'il y a tout le tour. Moi, j'ai mis un cube à chaque petit point. Un petit cube là qui s'y agençait. Un peu croche, mais moi je fais ça pour le fun. Ça va en portfolio puis accroché dans mon sous-sol. Donc, j'ai bougé la toile, je m'excuse. On y va. Encore des beaux cubes. Beaucoup, beaucoup de même couleur. Vous voyez les écarts, surtout dans le pôle, ça paraît énormément. On a encore des cubes ici. Montre. Ça, c'est des fraises. Les fraises sont plutôt réussies. Je suis contente. Mes tranches d'orange. Quand on arrive aux framboises, je vous dirais, là, ici, pas farjeux. Ça n'a pas de l'air à des framboises. Puis ici aussi, c'est des framboises. Mais vous allez voir, quand je vais monter, c'est ce qui est magique dans cette toile-là. Regardez, les fraises sont belles, les fraises. Les cerises, regardez le cupcake de proche, là. Moi, j'étais là, mais c'est que c'est ça. Aussitôt que je recule un peu, ça prend forme. Regardez son visage de loin, c'est super beau. C'est ça qui est bizarre dans tout ça. De proche, là, est vraiment, vraiment... je sais pas si c'est la conversion de Mary's Diamond qui fait ça. Mais c'est vraiment, vraiment particulier. Donc, c'était une belle toile. Je vous la montre en entier. Donc, la pose se faisait quand même très bien. On voit mon bout de petit pied, là. La pose se faisait super bien. Sauf que, effectivement, vous allez voir, là, ça fait pas très égal. Là, je vais tout repasser les alignements. J'avais 48 couleurs et j'avais 4 AB. Oh, pardon, j'avais 4 AB dans ces. On les voit un peu au travers du washi tape. C'est l'image originale. Et c'était une toile de 50 par 70. Une belle grosseur. Ça m'a pris 12 jours à faire. Ça aurait pu m'en prendre. Mais hier, j'étais fatiguée. Puis, c'est ça. Donc, 50 par 70. Ouais, je vais devoir vraiment passer un aligneur parce que, regardez, on voit vraiment... c'est sûr que de proche, là, c'est pas beau, hein? C'est tout croche. Mais, je vous le redis, j'ai pas détesté l'affaire 7 de toile. Excusez, je mets mon doigt, je peux peut-être filmer avec un téléphone, mais mon doigt dans le temps. L'objectif. Donc voilà, je vais vous montrer mes restes de diamants. Donc voilà tout ce qui me reste de diamants. J'en ai eu vraiment beaucoup de tout, tout, tout. Écoute, j'ai des boîtes encore quasiment pleines. Là. Je vous le dis, c'est quasiment plein ça. J'avais des couleurs en grande quantité. Là. Il en reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez cette couleur-là. Le 928, là. J'ai encore un gros contenant tout plein. La seule crainte que j'ai eue, c'était dans le... c'est pas celui-là. Dans quelle couleur? OK, c'est ça. 742 AB. Voyez? Okay. Regardez ce qui me reste dans le fond de mon petit récipient. C'est vraiment pas beaucoup.
Fait que j'avais toujours une crainte là d'en manquer sur, vers la fin. Là, je me disais, oh boy, je vais peut-être en manquer. Ça fait que c'est ce qui me reste. Pour ce qui est des déchets, ben, je vous dirais que moi, je les garde pas. Mais il y avait quand même pas de morceaux de résine, mais c'était surtout des petits morceaux de diamants. C'était des diamants un peu. Des petites boules, là, des agréments, là, de. Des agrégats de. Des amas, tiens. C'était surtout des petits amas ensemble. Des petits amas carrés là, qui n'étaient pas tout à fait carrés à la base. Fait que ça ressemble à ça. Ça fait pas une vidéo très longue. Mais je voulais juste vous montrer ma belle toile de Anna Lazareva. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Bienvenue sur Facebook, La Vie Diamond Painting, et sur Instagram aussi, La Vie Diamond Painting. Je poste assez régulièrement, je dirais même plus tous les soirs. Avant de m'endormir, c'est ce que je fais. Je fais une petite tournée de mes réseaux sociaux. Alors, merci d'avoir écouté et on se dit à bientôt dans une autre vidéo.